فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فايسكنا إيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça, c'est une dixième session, contradiction, l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet aujourd'hui, c'est foncièrement le nom d'un lutte apporte le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Benadud ben frère ben sakina imam, l'islam enseigne nous que n'importe quand on peut faire une action, nous visons veut dire faire pour le plaisir d'Allah. N'importe quand nous peut dire une parole, nous visons montrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un musulman, dans toute chose qu'il peut faire, alors il réalise Tawhid Allah Rabbul Alamin. Alors, une parmi bonne façon quand nous réalisons Tawhid, c'est aussi dans nos bonnes paroles, quand nous peut causer. Et une parmi bonne péché, qui beaucoup bonnes dimons, je te fais, sans qu'ils te rendent compte, qui je te peux contredire l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je te n'a pas pu réaliser tawhid, c'est fait serment, l'eau en l'autre nom apporte Allah Rabbul Alameen. Alors, serment, c'est un ibada, alors tout ibada, li pour Allah Rabbul Alameen tout seul. Alors, si un dimon li peut faire serment, l'eau en l'autre apporte Allah, alors, les péfères shirk, les péfères en parmi ban forme de petit shirk. Alors, nous trouvons erreur de certains ban musulmans. Quand je te fais serment le, la tête de maman, le papa, les autres enfants, le soleil, le, la lumière, le manger. Donc, tout ce qui existait apporte Allah Rabbul Alameen, qui appelle ban créature, ban création, nous n'a pas qu'un droit de faire serment les autres. C'est Allah tout seul qui a un droit fiercièrement l'eau sur la création, comme on l'a fait au Shams, pour le soleil, au Duha, pour la lumière du matin, et comme ça même encore plusieurs surahs quand Allah Rabbul Alameen, les fin fiercièrement l'eau, la création. Donc, un musulman, quand il peut fiercièrement, il peut faire une ibadat, alors il peut réaliser tawhid dans sa ibadat-là, pour fiercièrement le nom Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin met nous en garde fiercièrement, l'eau en l'autre apporte Allah, c'est shirk. Le prophète dit, c'est lui qui fait serment, l'eau non en l'autre apporte Allah, certainement, les fins commettent shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, certainement, Allah peut empêcher de faire serment, l'eau non de notre papa. C'est lui qui est là pour faire serment, qui lui fait serment le nom Allah, sinon qu'il y reste tranquille. Nous faisons serment le nom Allah, si nous n'avons pas fait serment le nom Allah, nous restons tranquilles, nous gardons nos silences. Et comme ça même, un sahabi lui dit, pour montrer, grandir, faire serment le nom Allah, et qu'il y a un tawhid là-dedans, lui dit, meilleur un dimoun lui fait serment le Allah dans mensonge, dans cause mentie, qui lui fait serment le un l'autre apporte Allah dans la vérité. Qui veut dire ça? Quand un dimon, il peut faire serment le Allah, même il peut cause mentir, il peut réaliser tawhid. Et puis, un autre, il peut faire péché, il peut cause mentir. Mais un dimon qui peut faire serment le un l'autre apporte Allah, le un l'autre nous apporte Allah, ça dimon là, il n'a pas pu réaliser tawhid, alors il fait le prend chemin de shirk ou l'asghar, petit shirk. Alors, si un dimon, il peut faire serment le un l'autre apporte Allah, mais il y a conviction qui sa personne qui peut faire serment le lila, il a même pouvoir, capacité qui Allah lui peut tendre, lui pareil comme Allah peut tendre, alors ça lui permet lui vers grand shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre shirk et les maintenir nous le tawhid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.